bonjour. je vous retrouve après une semaine d'interruption. je m'excuse de ne pas avoir pu prévenir mais un, un souci de santé euh, d'un proche euh, m'a fait partir en urgence. c'était arrangé. tout va bien. et aujourd'hui donc on va analyser la libye. pourquoi on en a beaucoup parlé, pourquoi on n'en parle plus. Euh, pour se rattraper un peu, je vous annonce aussi une émission qui sera euh, vendredi prochain, un spécial, donc pas le mardi, qui sera un spécial avec euh, l'ambassadeur Mujica du Venezuela à Paris, qui viendra nous expliquer la situation du Venezuela. Et la semaine prochaine, par contre, le mardi, il n'y en aura pas, étant donné que je suis à Paris pour des rendez-vous. Voilà. La Libye, c'est un pays qui me touche de près. J'y suis allé pendant les bombardements de l'OTAN en 2011, deux fois, avec une délégation de plusieurs Belges. Et. Ah bon, on aura un problème de connexion, on dirait. Bonjour, je vous retrouve avec plaisir. La semaine passée, euh, j'ai fait faux bon, je n'ai pas pu vous prévenir, excusez-moi, un souci de santé de quelqu'un de proche, j'ai dû partir en urgence, mais ça s'est bien arrangé. Euh, Aujourd'hui, on va analyser donc pourquoi on a tellement parlé de la Libye et là, tout d'un coup, on n'en parle plus. C'est intéressant pour voir. D'une part, qu'on nous cache les conséquences de ces belles interventions humanitaires. C'est intéressant aussi parce qu'on a toute une série de révélations dont les médias ne parlent plus du tout parce que ça contredit complètement la version qu'ils avaient diffusée. La Libye, c'est un pays... Ah oui, j'ai oublié de dire que pour compenser un peu les retards, vendredi midi prochain... Il y aura un Michel Midi spécial avec l'ambassadeur du Venezuela à Paris, Mujica, qui viendra nous expliquer où en sont les menaces de Trump et compagnie à l'égard de ce pays. Est-ce qu'on risque une invasion est -ce que, Comment est-ce que le peuple vénézuélien prendrait ça Et quelles sont les conséquences au point de vue mondial Aujourd'hui, donc, on va parler de la Libye. C'est un pays qui me tient beaucoup à cœur. J'y suis allé pendant les bombardements de l'OTAN à deux reprises. Avec plusieurs amis belges. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que les choses que j'ai vues là-bas comme action de l'OTAN n'avaient vraiment rien d'humanitaire. J'ai notamment fait un reportage dans une agglomération qui s'appelle Sormann, où l'OTAN avait bombardé une résidence privée de la famille Quildi en prétendant que c'était un centre de commandement militaire, n'importe quoi. Et en réalité, ils avaient euh, tué euh, plusieurs enfants. J'en ai ramené quelques photos, il y a un petit peu un reflet avec la caméra, désolé, avec euh, la lumière extérieure. Et donc on avait là toute une série de victimes civiles, et notamment ça m'avait bouleversé, il y avait plusieurs enfants de 4 et de 6 ans. Et euh, dans les décombres, j'ai rencontré, j'ai discuté avec le grand-père, M. Quildi, qui est décédé depuis, j'ai parlé avec euh, sa fille notamment, qui avait euh, perdu euh, deux enfants là-bas. Et bon, j'en ai fait une vidéo qui est euh, sur YouTube, sur Investigation. Euh, ça s'appelle Sarkozy Combien d'enfants as-tu tué cette nuit Parce que vraiment, c'était un massacre de civils délibéré. Et on va analyser ensemble. Pourquoi cette guerre a été déclenchée On nous a dit kadhafi réprime violemment des manifestations populaires et donc il faut absolument empêcher un génocide. Ça, c'était le leitmotiv de tous les médias et des dirigeants politiques, empêcher un massacre, un bain de sang, un génocide. Ce qui est important, c'est qu'en fait... On nous dit ce genre de choses à chaque guerre, et il faut réfléchir si vraiment les États-Unis et la France décident qu'ils vont attaquer pour protéger des manifestants, et s'ils décident ça à la dernière minute, ce genre de choses, il y a un plan militaire préparé longtemps à l'avance. On n'attaque pas un pays comme ça, en improvisant sans cinq minutes. Et donc, dans le livre USA, les 100 pires citations, que j'ai rédigé pour vous aider justement à vous baser sur les citations, les déclarations des dirigeants, des présidents des États-Unis eux-mêmes, ministres, stratèges, etc., où ils disent eux-mêmes toutes les saloperies qu'ils font. On avait une déclaration très intéressante à la page, c'est le 71. Donald Trump, qui était donc le ministre de la guerre, dit, sur base d'un témoignage qu'on aura par le général Wesley Clark quelques années après, Wesley Clark visite un euh, général qu'il avait connu au Pentagone et dit Est-ce qu'on va partir en guerre contre l'Irak Et euh, cet officier lui répond C'est bien pire que ça, monsieur. Je viens de recevoir un mémo du bureau du secrétaire de la défense, donc du ministre de la guerre, Humsfeld, et ça dit que nous allons attaquer et détruire les gouvernements de sept pays en cinq ans. Nous allons commencer par l'Irak, puis nous irons en Syrie, au Liban, en Libye, en Somalie, au Soudan et en Iran sept pays en cinq ans. Et ça, c'est déclaré en 2001. C'est-à-dire que l'agressivité et la volonté d'éliminer Kadhafi et de soumettre la Libye, elle existe depuis bien plus longtemps. On va voir tout à l'heure que c'est encore bien avant 2001. Donc, le problème n'est pas les répressions des manifestations. Euh, sinon, les États-Unis interviendraient tous les jours contre Israël. Le problème, il est... Que, bon Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu un problème de répression des manifestations à Benghazi à l'Est. Quand j'ai visité, j'ai posé la question et bon, certains responsables étaient un peu embarrassés. Ils ont dit oui, il y a eu une répression exagérée de manifestations à Benghazi à l'Est. C'est la responsabilité d'un des fils de Kadhafi, Kamis, qui a envoyé une brigade extrêmement brutalement là-dessus. Mais, ce qui est important, c'est que très rapidement, à des manifestations populaires justifiées contre des problèmes de répression et d'emprisonnement qu'il y avait eu, euh, se sont ajoutés des milices qui ont, de façon très étonnante, à l'arme lourde attaqué des commissariats, des prisons, libéré leurs camarades qui étaient en prison, et directement, on a eu une escalade de violence très très forte avec des victimes des deux côtés. Ça, il faut le signaler. Et la formation d'un gouvernement provisoire libyen en 12 jours. Ça, c'est étonnant d'arriver à un résultat aussi rapide. Ça veut dire que des choses avaient été préparées, évidemment, avant cela, avec euh, des services secrets sur place et tout un travail de, de liaison avec les, les grandes puissances occidentales, États-Unis et France. Alors, on a eu droit à toute une série de, de, de médias mensonges sur cette euh, guerre. Et. J'avais abordé cette question-là dans le livre Libye, Autant et Médias, Mensonge, euh, qui est épuisé, mais on, bon, on en vient d'en retrouver une dizaine. Euh, donc, euh, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Je donnerai l'adresse tout à l'heure. Et donc, dans cette euh, analyse que j'avais faite dans le livre écrit euh, au lendemain, on a effectivement un rapport d'anciens des services secrets français. Qui explique dès le début des manifestations, des islamistes et des criminels ont immédiatement profité de la situation pour attaquer les prisons de haute sécurité à l'extérieur de Benghazi. Et en fait, on nous a euh, déclaré que il y avait euh, aussi un bombardement sur Tripoli. Ça, ça a été euh, Kadhafi euh, bombarde les manifestants de Tripoli avec ses, euh, son, son aviation. Et ça, dans le livre de Saïd Bouamama, qui est un manuel stratégique de l'Afrique, y compris donc du Maghreb et de la Libye. Il y a un chapitre Libye absolument passionnant. Et l'ambassadeur de France en Libye lui-même avait dit dès le 8 mars 2011 l'information des médias occidentaux selon lesquels l'aviation aurait bombardé Tripoli est parfaitement inexacte. Aucune bombe n'est tombée sur la capitale, même si des affrontements, des affrontements sanglants ont eu lieu dans certains quartiers. On a aussi dit que Kadhafi avait engagé des mercenaires noirs africains pour massacrer sa population. En réalité, il y a des Libyens à la peau très foncée et il y a des Africains qui étaient intégrés dans la population et dans la main-d'œuvre locale depuis des années et qui étaient extrêmement bien traités justement. Kadhafi combattait très fort le racisme et donc une responsable d'Amnesty International qui s'appelle Donatella Rovera a expliqué qu'il n'y avait pas de mercenaires noirs, que c'était une pure invention, de même que l'idée qu'il y avait des viols systématiques organisés pour effrayer la population, et notamment qu'on a parlé de, de 6 000 victimes, même Amnesty International qui euh, n'est pas est toujours très révolutionnaire sur beaucoup de pays a expliqué euh, euh, en mars 2015, trop tard hélas, que le nombre de morts a été grandement exagéré. On parlait de 2000 morts à Benghazi. Or, la répression a provoqué dans cette ville de 100 à 110 morts et à Al-Baïda une soixantaine des deux côtés parce qu'il y a eu des affrontements. Mais bon, même si on a eu plus dans les opposants, on est donc dans, dans les médias mensonges. Et en fait... L'intervention de l'OTAN, sous prétexte d'arrêter des massacres qui allaient soi-disant se déclencher, c'est quelque chose qu'on nous dit un peu dans toutes les guerres, ça, l'intervention de l'OTAN a provoqué beaucoup plus de morts que ce qu'il y avait eu au début. L'ancien ambassadeur de France déclare, entre la date de l'intervention occidentale à Benghazi et la mort de Kadhafi, il y a eu 20 000 morts en Libye. Et donc, l'intervention occidentale a provoqué... 20, 30, 40 fois plus que le nombre de morts de départ. Et, dit-il, il faut ajouter 800 000 réfugiés à l'extérieur de la Libye. La Libye est effectivement devenue un, un enfer. Donc, on doit vraiment se méfier de la manière dont ces choses-là sont rapportées. Et dans le livre de Saïd Bouamama, il cite largement un rapport de parlementaires britanniques qui a euh, analysé pourquoi on avait fait cette guerre. Et je vais vous le lire ici. Il y a eu donc en 2016 un rapport qui a analysé, parce que les Britanniques comme les Français étaient intervenus et c'était assez catastrophique. Et ce rapport des parlementaires dit, plusieurs exemples dans le passé auraient pu indiquer la manière dont Kadhafi allait se comporter. En 80, il a passé six mois à pacifier les rapports entre les tribus de la Cyrénaïque. Il y a, euh, la Libye, c'était c'est un pays tribal, et donc il y avait beaucoup d'arrangements qui se faisaient par des négociations et des compromis entre euh, tribus. Et Kadhafi était beaucoup plus diplomate. Je ne veux pas dire que ce n'était pas un dirigeant très autoritaire, qu'il n'y avait pas de la répression, mais il y avait aussi un recours à la stratégie de diplomatie et des compromis. Et donc ce rapport parlementaire britannique dit La peur d'un massacre civil a été largement exagérée. Et donc, on va voir pourquoi. Et on va voir tout à l'heure que ces parlementaires britanniques vont nous expliquer qu'il y avait une autre raison derrière ça. En fait, euh, ici, je vous avais indiqué la vidéo que j'avais faite sur les massacres de Sarkozy à Paris, une vie, euh, en, en Libye à Sormans, une vidéo que vous pouvez trouver pardon, sur le site InvestiAction. Et donc, la vraie raison, c'est de comprendre pourquoi Sarkozy tenait tellement à intervenir en, euh, en Libye. Ici, vous avez la brochette de tous les dirigeants euh, qui ont en fait euh, assassiné la Libye. Ça, je ne crains pas de le dire. Vous avez au milieu tout fier Sarkozy, à côté Fillon et Juppé, puis Ban Ki-moon et... Euh, vous avez Merkel, vous avez Cameron. Derrière Cameron, il y a notre premier ministre belge de l'époque, Le Terme. Vous avez Berlusconi, tout ces... vous avez Hillary Clinton de l'autre côté. Donc, vous avez vraiment une bande pas très recommandable. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous ces gens ont refusé de négocier. Parce qu'il y avait eu une médiation de l'Union africaine il y avait aussi une proposition de médiation de différents pays d'amérique latine qui ont dit le conflit il faut négocier il faut l'arranger pacifiquement kadhafi avait accepté il avait même accepté selon des documents diffusés par des, des wikileaks et par des rencontres avec des généraux des états-unis il avait même accepté de se retirer il avait accepté qu'il y, qu y ait des élections et entre nous, il n'est pas du tout sûr qu'il aurait perdu ou qu'un successeur de Kadhafi aurait perdu ses élections. On va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, il faut examiner quand on a une guerre et un conflit comme ça. Vous savez que j'ai souvent popularisé l'idée des cinq principes de la propagande de guerre. Le deuxième principe, selon moi, c'est cacher l'histoire, c'est-à-dire cacher ce que le colonialisme a fait dans un pays comme la Libye ou d'autres a fait de ses richesses, quelle pauvreté il a provoqué, quelle répression il a provoqué, et aussi comment il a essayé de diviser les gens. Et si on voit l'histoire de la Libye avant Kadhafi, ben c'est très simple. Avant Kadhafi, il y avait un roi qui s'appelait Idris, qui était une parfaite marionnette des Britanniques et des États-Unis. Tout l'argent du pétrole filait vers British Petroleum et Exxon, pendant que la Libye était le pays le plus pauvre d'Afrique, malgré ses richesses pétrolières. Et c'était... Un roi totalement en collaboration et complaisant envers Israël. Bien. En 1967, on a un coup d'État de Kadhafi et d'une dizaine de jeunes officiers, très jeunes même. Le coup d'État est entièrement pacifique, la population soutient à fond, et donc il installe un nouveau régime qui va euh, utiliser l'argent du pétrole d'une toute autre manière. Le pétrole est nationalisé, le commerce extérieur aussi est un monopole de l'État. Et l'idée, c'est d'utiliser le pétrole comme ça va se faire pendant des années pour créer un bien-être pour la population. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Les, euh, les soulèvements qu'il y avait en Libye n'étaient pas du tout la même chose qu'en Tunisie et en Égypte pour la pauvreté. Il n'y avait d'ailleurs aucun programme de revendication sociale. Euh, C'était vraiment une lutte pour le pouvoir de la part des riches, euh, de, des tribus. Euh, à l'est de, de la Libye. Et Kadhafi, avec l'argent du pétrole, avait instauré l'enseignement gratuit, les soins de santé gratuits. Pour le logement, il y avait énormément de logements sociaux de bonne qualité, j'ai pu en visiter. Il y avait des prêts à taux zéro pour quiconque voulait construire une maison. Il y avait euh, tout un travail qui était fait pour... Euh, il y avait aussi des aides aux familles, 300 euros par mois, d'office comme ça. Et donc, il y avait tout un travail qui était fait. On, il a aussi essayé, à partir de ne pas vivre seulement sur le pétrole, de créer une industrie, euh, la chimie pour les dérivés, la sidérurgie, euh, des usines de dessalement de l'eau de mer. Il y a eu beaucoup de projets dans les années euh, 70 et 80. Après, c'est un peu tombé en, en déchéance et ça n'a pas donné grand-chose euh, pour des raisons qu'on verra. Mais en fait... La Libye avait un haut niveau de bien-être pour sa population. C'était le pays avec le meilleur niveau de vie de euh, l'Afrique. Et il ne faut pas s'étonner qu'on avait, euh, pendant l'agression de l'OTAN, des manifestations euh, populaires de soutien à Kadhafi. Euh, plusieurs experts, euh, pas pro-Kadhafi que j'ai rencontrés, étaient d'accord avec moi sur cette idée qu'en gros, Kadhafi avait 50-60% de soutien populaire et 40% d'opposants. Et sur cette manifestation de soutien, vous remarquez que ce sont des femmes, que ce sont aussi des femmes non voilées. Kadhafi s'était beaucoup battu pour la libération des femmes et on sait bien que ça a complètement reculé par ailleurs. Il avait, dans un pays encore féodal, il s'était battu vraiment pour imposer l'émancipation des femmes. Maintenant, je le disais, l'industrialisation n'a pas vraiment été jusqu'au bout et on a eu... Euh, par la suite, des, euh, un taux de chômage qui a beaucoup augmenté dans les années 2000 jusqu'à 35%, et c'était un des carburants des, euh, du mécontentement populaire. Mais ce qui est important, c'est que dans des pays comme ça, vous avez des révoltes qui peuvent être en partie légitimes ou tout à fait légitimes, et directement, les États-Unis sont très très malins et ils essayent avec leurs services secrets et leurs infiltrés de détourner un mécontentement légitime vers leur projet à eux, qui n'est pas du tout de faire le bien-être du peuple libyen, mais de contrôler les richesses. Alors il faut se poser la question, pourquoi on en voulait tellement à, à Kadhafi Et, et bien, le pétrole, évidemment, mais pas que le pétrole, parce que sinon il y aurait beaucoup de pays qu'on essaierait d'envahir. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, l'Algérie est sur la liste, mais la libye et kadhafi avaient un autre crime encore plus important, et c'est son projet de ce que j'appelle, ce qu'on appelle le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité de tout le continent africain pour sa libération. et ça dans le livre de saïd bouamama, le manuel stratégique de l'afrique, le chapitre libye commence par une très, très belle déclaration de euh, kadhafi. Qui disait je cherche la page excusez-moi voilà je l'ai trouvé kadhafi en 2010 donc un an avant quelques mois avant l'agression kadhafi dit ceci j'exprime au nom des arabes notamment les plus riches d'entre eux mes vives excuses pour leur comportement honteux en honteux envers les africains en ce sens qu'ils ont acheté les enfants et en ont fait des esclaves. Ils ont également pratiqué la traite négrière d'une manière éhontée. Ces pratiques nous font honte, nous devons les reconnaître et les condamner. Ça, c'est une déclaration sur le passé, c'est quand même très rare. Mais ce qui est encore plus important peut-être, ce sont les projets que Kadhafi avait pour l'avenir. En fait, il a fait des réalisations très importantes pour aider les peuples africains à échapper au chantage des multinationales occidentales, de la Banque mondiale et du FMI qui vraiment les étranglaient et les empêchaient de se développer. Un ou deux exemples. Parce que le premier principe de la propagande de guerre, comme je le dis toujours, c'est cacher les intérêts économiques. Et quand on s'informe sur ces projets, on comprend pourquoi Kadhafi était la bête à abattre. Avant Kadhafi, les pays africains n'avaient pas de satellites et donc pour les communications téléphoniques satellitaires, c'est beaucoup développé dans cette période-là, ils étaient obligés de passer par des firmes occidentales qui, euh, des télécoms, qui leur facturaient énormément, qui leur faisaient vraiment voler beaucoup d'argent. Et là, le projet de Kadhafi. Euh, c'est un. Est Saïd Boamama cite Jean-Paul Pougala qui analyse ce projet. Je cite La Banque mondiale, le FMI, les États-Unis, l'Union européenne ont fait miroiter inutilement ce projet à ces pays pendant 14 ans. Pendant 14 ans, on leur a dit Allez, soyez gentils, soyez gentils, on va vous donner un satellite africain. C'est en 2006 que Kadhafi met fin au supplice de la mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux. Qui pratiquaient des prêts à des taux usuraires. Quand l'Occident prête de l'argent aux pays africains ou autres pays à développer, c'est toujours pour les étrangler, comme ça a été très bien montré dans le livre J'étais un assassin financier de John Perkins. Et donc, Kadhafi a dit Voilà, je mets sur la table 300 millions de dollars, ça y est, allez-y, on va installer votre satellite. Il y a eu encore de l'argent qui a été développé, placé par la Banque africaine de développement. Et dit, bon, Pougala, la Libye de Kadhafi a fait perdre à l'Occident pas seulement 500 millions de dollars par an, c'est l'estimation des coûts des télécoms beaucoup trop chers, mais les milliards de dollars de dettes et d'intérêts que ça permettait de générer à l'infini et de façon exponentielle, contribuant ainsi à entretenir pardon, le système occulte pour dépouiller l'Afrique. Donc voilà le grand reproche fait par sarkozy à l'occident à et kadhafi et dans la foulée il était prévu de créer à la place du fonds monétaire international un fonds monétaire africain une banque africaine et kadhafi avait mis plein d'argent l'algérie l'afrique du sud et le nigeria en mettaient un peu aussi et donc le fonds monétaire africain devait remplacer le fonds monétaire international et ses chantages épouvantables contre les pays africains. Pour se soumettre aux multinationales. Donc, ça, c'est clair que quand on analyse les intérêts économiques, cette, ce projet. De, ah oui, j'ai oublié de dire. Et quand est-ce que ça devait démarrer, ce fonds monétaire africain et cette banque africaine En 2012, tiens, tiens. Juste après cette agression de la Libye en 2011, mais ce projet était en préparation depuis longtemps. Et donc, cette, euh, on pense quoi, à ce qu'on veut, du caractère de Kadhafi, d'une série de choses qu'il a faites, bien ou mal ce projet-là était stratégique. Ce pro projet-là aidait l'Afrique à échapper à la tutelle des États-Unis et de la France-Afrique et de l'Europe et aidait à changer le rapport de force dans le monde. À ce moment-là, ça allait mieux euh, en Amérique latine que maintenant. Et donc, ce projet euh, aurait vraiment fait basculer le rapport de force dans le monde plus vite que ce n'est en train de, de se produire. Et c'est à la lumière de ça qu'il faut comprendre le sommet africain de Paris en 2008 où Sarkozy a invité Kadhafi et a organisé un projet qui s'appelait l'union pour la Méditerranée l'idée était d'avoir les pays européens de la Méditerranée le Maghreb et les pays africains de la Méditerranée et donc il avait invité Kadhafi à planter sa tente et dans l'Elysée et donc l'idée de Kadhafi était clairement d'échapper de échapper à, à, de, de faire échapper l'idée le, le de Sarkozy était que le pétrole de Gaddafi et de la Libye, de l'Algérie aussi, soit utilisé pour un grand projet. Et ça, c'est un projet qu'un un, un économiste sénégalais, Mustafa Kassé, a bien euh, développé, a bien exposé. Le projet de Sarkozy était, dit-il, de doter la France d'un espace pour déployer son système productif, sa suprématie technologique, son savoir-faire, sa force de dissuasion militaire, et former un sous-bloc où elle aurait pu exercer un leadership déterminant en cas de crise et de rupture dans l'ordre mondial. Pour ça, il fallait le Maghreb et Kadhafi. Et ce, euh, ce bloc dirigé par la France aurait été aussi une manière de compenser la domination de l'Allemagne dans l'Europe et l'Allemagne plus forte que la France. Et donc, ça, c'est un point très important. Alors, Kadhafi est venu, il a négocié, il n'a pas dit non. Il a dit, premièrement, je refuse qu'Israël participe, comme Sarko le voulait. Donc, ça, c'était déjà un grand crime. Et deuxièmement, il a dit, je ne veux pas me couper de l'Afrique. Vous, Sarkozy, vous voulez, euh, c'était bien expliqué d'ailleurs aussi par cet économiste, le projet de Sarko, c'était d'inclure le Maghreb dans la zone de dépendance de, euh, de, de la France et d'exclure l'Afrique qui, soi-disant, ne peut pas décoller, ne peut pas démarrer. Et donc, le projet était vraiment un projet stratégique de la France. Et après, on nous a dit que euh, la guerre aurait été déclenchée par le petit personnage que vous voyez là au milieu, euh, BHL en... Euh, session de promo photo et on nous a dit voilà c'est BHL qui euh, pour favoriser Israël a, a décidé Sarkozy a attaqué la Libye ça c'est l'image euh, l'image euh, cliché l'image promo comme si euh, la Guerre était décidée par un petit euh, écrivain euh, faux philosophe et euh, serial menteur, comme ça a déjà été montré dans plusieurs ouvrages. En réalité, là, BHL a agi juste comme l'agent de promo de Sarkozy et, entre nous aussi, l'agent commercial des multinationales françaises de l'armement. Il s'est amené auprès de ces milices dont on va dire deux mots dans un instant. Il s'est amené auprès de ses milices en montrant un catalogue d'armes qui lui avait été fourni par Dassault et euh, la gardère et les groupes français des armements. Il a dit voilà, vous pouvez vous servir, tout ça est gratuit, et, euh, gratuit pour eux, mais pas évidemment pour les contribu contribuables français qui auraient payé ce genre de, de choses. Euh, donc, BHL n'est pas euh, le décideur, il est l'agent de promo. On le voit ici en train d'essayer de se faufiler, euh, d'être le plus près possible sur les photos avec Sarkozy et Cameron qui entourent le petit pantin libyen qu'ils veulent mettre à la place, euh, ou qu'ils réussissent finalement à mettre à la place de Kadhafi. Et donc, le. L'agression contre la Libye n'est absolument pas décidée pour plaire à Israël, encore qu'il a joué un rôle, c'est certain, mais il est décidé en fonction de la stratégie des États-Unis. Donc là, on est obligé de parler deux minutes de Hillary Clinton. Euh, J'ai fait une pause avant de venir à Clinton. Vous êtes nombreux à demander qu'on parle de l'Algérie. Euh, J'ai oublié de le dire au tout début. Euh, nous avons programmé euh, très prochainement une émission sur l'Algérie. J'attends la confirmation. Je crois que ça pourrait se faire le 23 mars et euh, vous pouvez envoyer vos questions et on va essayer d'en parler bien entendu parce qu'on sait que l'Algérie est dans le collimateur. Je parlais d'Hillary Clinton. On la voit ici toute réjouie. Elle vient euh, se réjouir après l'assassinat de Kadhafi et se faire photographier avec ses assassins elle a été présentée comme ayant fait un voyage en urgence pour se réjouir, vous vous souvenez de sa fameuse formule, je suis venu, j'ai vu et il est mort, il n'est pas Jules César qui veut, mais en fait Hillary Clinton était là depuis deux jours en Libye, donc euh, est-ce qu'elle a donné des instructions, est-ce qu'elle a donné le feu vert, c'est une question sur laquelle on a encore beaucoup à apprendre et là, on a beaucoup de révélations de Wikileaks déjà. Il faudrait y travailler, il faudrait qu'on en parle. Euh, Wikileaks et Julian Assange avaient fait tout un travail qui révélait que dans les, les, les Gmail de Hillary Clinton, elle savait très très bien que le problème n'était pas la répression des manifestations elle savait très très bien qu'elle travaillait avec des milices terroristes. Ça, je vais en venir dans. Je vais y venir dans un instant. Et son vrai but était de faire main basse sur l'argent de Kadhafi et de, de profiter de, des réserves pétrolières et d'empêcher le projet de Kadhafi en Afrique. Et je parlais d'Assange. C'est très important qu'on en parle. Euh, J'avais fait une émission avec Victor Dedache là-dessus. J'ai le plaisir de vous annoncer que... Il y a un comité qui s'est formé en Belgique. Vous pouvez voir ici son adresse mail et le contacter. Il organise des actions. Il a besoin de vos soutiens. En France aussi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre sur pied avec Victor Dédache du site François. Vous pouvez lui écrire. Et donc, il, les révélations de, de Julian Assange et de Wikileaks montrent qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec protéger la population, mais tout à voir avec des intérêts stratégiques qui sont très clairs dans les emails de. Euh, Hillary Clinton. Alors, je vous ai dit, la Libye est dans le collimateur des États-Unis depuis très longtemps. Et ça aussi, on en parle dans le livre de Saïd Bouamama. Il faut vraiment étudier l'histoire de l'agression permanente, en fait, contre la Libye. Et Ronald Reagan, qui est arrivé euh, président en janvier 81, n'avait absolument pas caché qu'il voulait... Euh, et absolument éliminer Kadhafi. Il a travaillé notamment à une aide militaire importante pour le Front national de salut libyen, qui voulait donc la lutte armée pour renverser Kadhafi, qui a lancé plusieurs attaques contre Tripoli et a essayé d'assassiner Kadhafi en 84. Je disais qu'Israël a joué un rôle là-dedans. Il y a un professeur, un journaliste, pardon, israélien, Joël Beinerman qui a euh, écrit un bouquin très intéressant sur euh, les opérations secrètes de la CIA et d'Israël dans des pays du tiers-monde. Et dans ce livre, qui est déjà un peu ancien, il écrit dans le but de renverser Kadhafi, Israël et les États-Unis ont formé des dissidents libyens dans des centres localisés en Occident ainsi qu'en Afrique. Les États-Unis étaient impliqués dans la création de bases militaires au Tchad et dans d'autres pays. Et donc, on a... Un long travail d'agression contre les États-Unis, de diabolisation et de désinformation. Et là-dessus, dans un livre que nous avons publié récemment, de Herman et Chomsky, Fabriquer un consentement le livre, je le répète, à mes yeux fondamental sur les médias il y a une note très intéressante d'Herman et Chomsky qui rappelle que les médias aux États-Unis et en Europe n'ont pas arrêté de diaboliser. Kadhafi dans les années 80, on lui a attribué l'attentat contre une discothèque à Berlin et des trucs comme ça. Et il rappelle que début octobre 86, on avait eu des fuites dans la presse des États-Unis, des fuites issues de notes internes qui montraient que l'administration Reagan avait mené une campagne de désinformation pour influencer l'opinion sur la Libye. Mais les médias des États-Unis ont dit, mais c'est abominable, on ne peut pas désinformer les médias, excusez-moi. Mais Chomsky et Herman se marchent parce qu'ils disent, je cite, comble d'absurdité, cinq ans plus tôt, la presse des États-Unis avait dévoilé un programme de désinformation dirigé par la CIA destiné à diaboliser Kadhafi et son gouvernement. Et conjointement à des opérations sur le terrain visant à renverser Kadhafi ou à l'assassiner. Mais on n'en avait tiré aucune conséquence. Donc en 81, les médias relaient comme ça, distraitement, qu'il y a un programme de désinformation de la CIA de Reagan sur la Libye. Et pendant cinq années, ils ré, il ré, il répercutent toutes les informations mensongères. Et tout d'un coup, en 86, quand on dit Ah, c'est un programme de désinformation, c'est des fake news, là, les médias disent Ah, c'est scandaleux. Et donc, il y a une remarque vraiment ironique d'Hermann et Chomsky. En réalité, les médias se laissent duper en permanence, mais subissent rarement l'affront la, de se voir cette constante du prix mise en évidence par des documents officiels. C'est sur base de ça que j'ai travaillé à essayer de faire justement le rassemblement la collection de toutes ces déclarations officielles qui permettent de montrer la désinformation et l'envers le, de la réalité. Donc on a euh, diabolisé Kadhafi euh, et la Libye, je ne dis pas que c'était des anges, qu'il ne s'est rien passé, Kadhafi a reconnu certaines choses, mais euh, on a beaucoup parlé évidemment de l'attentat contre un avion civil à Lockerbie en Écosse, je ne l'aborde pas ici, c'est bien abordé dans le livre de Saïd Bouamama dont j'ai parlé, euh, c'est une affaire au moins douteuse et dans laquelle très probablement c'était pas Kadhafi qui était derrière et les États-Unis l'ont chargé pour des raisons stratégiques. J'en viens à la question des forces qui ont renversé Kadhafi. Euh, on nous dit c'est un soutien populaire qui l'a permis, ça c'est faux. Et en réalité, je l'avais signalé dans le livre Libye autant et médias mensonges de 2011. Et j'avais repris des déclarations de la CIA, vous voyez, j'ai des bonnes sources, qui avait dit, dans une note diffusée par Wikileaks, les individus les plus dangereux pourraient avoir une influence dans le cas où Kadhafi devrait tomber. Et l'Académie militaire de West Point avait en 2007 précisé la région de Benghazi à Tobrouk. Donc la région où ont eu lieu les émeutes contre Kadhafi représente une des plus grandes concentrations de terroristes du monde. En fait, c'était des gens revenus d'Afghanistan, revenus d'Irak, qui avaient, c'était les purs terroristes de Ben Laden, qui avaient, euh, qui s'étaient basés dans l'est de la Libye et qui préparaient un coup d'État. Ça, c'est quelque chose que j'ai documenté dans le livre « Je suis ou je ne suis pas Charlie », qui analyse les... Lien entre les États-Unis et le terrorisme dit islamiste, à savoir que ça a été lancé par eux avec l'opération Ben Laden organisée par Brzezinski, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas, euh, en contre l'Afghanistan dans les années euh, 79-80 et années 80. Ça a continué avec l'utilisation de milices terroristes en ex-Yougoslavie, dans le Caucase, puis en Libye, puis en Syrie. Et donc, ça, c'est documenté. Et dans le livre dont je parlais, euh, Les 100 pires citations, vous avez l'amiral Stavridis qui a déclaré Je cite, c'est lui qui. Euh, la, ah oui, la bio de Stavridis est intéressant parce qu'on dit souvent. Oui, c'est les républicains, c'est Reagan, c'est Bush Junior, c'est Trump qui sont des guerriers, mais vous allez voir que non. Stavridis était effectivement le conseiller de Rumsfeld, le ministre de la guerre de Bush, mais ensuite Obama, le démocrate, l'a nommé commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, et c'est à lui qu'il a confié la direction de la guerre contre la Libye. Donc vous voyez, euh, démocrate, républicain, c'est beaucoup du show. Et ils poursuivent le même genre d'objectifs, ils emploient le même genre de moyens. Ce qui est intéressant, c'est que Stavridis, après sa retraite, il a rejoint la multinationale US d'armement très importante qui s'appelle Carlyle. Que dit Stavridis en 2011 On l'interroge et on lui dit Mais vous avez des gens d'Al-Qaïda qui sont dans vos votre, dans votre troupes insurgées, là, que vous appuyez avec vos bombardements. Et Stavridis répond Écoutez bien, ça, ça vaut son, une nomination au prix Nobel de l'hypocrisie. Stavridis déclare « Des douzaines d'anciens combattants du groupe d'islamique de combat libyen, c'est le nom de la section libyenne d'Al-Qaïda, participent aux efforts visant à renverser Kadhafi. » Donc des terroristes d'Al-Qaïda, il le reconnaît, participent aux efforts visant à renverser Kadhafi. Mais alors, notez la petite phrase là, sublime, « Ils le font à titre personnel, pas comme groupe constitué. » Tout va bien, on peut employer des terroristes du moment qu'ils sont là à titre personnel. Et ça, c'est quelque chose que j'avais indiqué dès 2011. J'ai été en Libye, j'ai vu la situation sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait un soutien populaire important, même s'il y avait des opposants importants aussi. Et donc, quand je suis rentré de la Libye, la situation était en train de tourner plus mal. On, a, on est parti et avec Mohamed Hassan, on s'est trouvé à la frontière avec la Tunisie et j'ai fait une petite vidéo où je disais... Aux dirigeants occidentaux et au premier ministre belge de l'époque, je disais Voilà, vous avez en Libye fait une alliance avec Al-Qaïda. Si nous ramassons des attentats à Bruxelles et ailleurs, qu'allez-vous dire J'ai donc dit ça en 2011. Malheureusement, c'est arrivé. C'était une mise en garde, une alerte. Je me basais sur les documents de la CIA, de West Point. Ce n'était pas des secrets. N'importe quel petit journaliste pouvait trouver ça et le dire. Donc, j'ai eu la possibilité de dire ces choses-là à la télévision belge en 2011. J'avais été mis au placard pendant des années, à la télévision privée RTL aussi, avec le journaliste Pascal Vrébos. J'ai dit à des ministres belges ou ex-ministres belges qui ne qu disaient pas la vérité, pour être poli. Je l'ai dit très poliment, d'ailleurs, toujours. Et depuis ces déclarations, je suis totalement censuré par des gens comme De Borsu. Au débat, au soi-disant débat qu'ils organisent à RTL ou par euh, ceux qui font des débats sur la télévision publique belge ou dans les JT, on n'a pas le droit de dire que les États-Unis, la France, la Belgique, l'OTAN ont fait des alliances avec Al-Qaïda pour renverser Kadhafi. On n'a pas le droit de dire que ça a eu des conséquences terribles au Niger, au Mali, au Nigeria et ensuite au Syrie. Quand ils ont fait ce sale travail en Libye, toute une série de ces terroristes, sont allés faire la même chose en Syrie avec les conséquences qu'on connaît. Donc, voilà, on doit vraiment tirer les leçons de euh, cette guerre, d'autant plus que qu'on a toute une série de scandales financiers qui se sont euh, déclenchés. Euh, principe de propagande de guerre numéro un, chercher les intérêts économiques. Je disais, on voulait voler l'argent de la Libye. Ce n'était pas l'argent personnel de Kadhafi, hein. c'est un argent qui servait à distribuer en grande partie, on va dire totalement, euh, un bien-être à la population libyenne. C'est un argent qui gardait des réserves futures pour une industrialisation. Il y avait des projets pour le futur aussi quand le pétrole allait baisser de prix ou qu'on allait en vendre moins. Et donc pour échapper aussi au chantage de la Banque mondiale et du FMI. Avec cet argent, vous avez aux États-Unis en 2008 la banque Goldman Sachs qui a volé la Libye de 1,2 milliard en lui proposant des titres complètement pourris qui ne valaient plus rien après. Vous avez en 2009 Sarkozy qui a reçu 5 millions d'euros pour sa campagne électorale, il y a eu tout un dossier avec Mediapart, il y a eu toute une il y a une instruction en France très curieux de voir si elle va aboutir. Et alors en Belgique, on a eu un scandale plus récemment qui a été dévoilé par un journaliste d'investigation qui s'appelle David Leloup. Et il a révélé que la Belgique comme d'autres pays, bloquait l'argent de la Libye pour ça faisait partie des sanctions pour étrangler le peuple libyen et l'obliger à abandonner ses dirigeants. Et cet argent donc je l'ai en principe dans les banques belges, notamment Euroclear. Tout d'un coup, ben, il a disparu. Il y a toute une partie de l'argent qui a été disparu, qui a été versé en Libye. Alors ça c'est ahurissant parce que notre ministre Renders, nos fonctionnaires il n'y a personne qui sait où l'argent est parti. Comme ça, il y a des milliards qui sont partis, euh, c'est pas grave. Ce qui est très clair aussi, c'est que cet argent a servi à prévisionner des milices en Libye. Euh, ce qui est très clair, c'est que pourquoi on ne parle plus de la Libye aujourd'hui Parce que la situation est catastrophique. La Libye se trouve partagée entre deux gouvernements. Alors s'il s'agit de la rapporter à la démocratie et que la preuve c'est d'avoir un gouvernement, alors la Libye, c'est une double démocratie parce qu'ils ont deux gouvernements qui se tirent dessus. On a des milices qui sont extrêmement violentes et féroces, qui assassinent les Noirs. On a la répression des femmes. On a le scandale du trafic des migrants, d'un de tra trafic qui traite les migrants vraiment comme euh, du bétail, comme des esclaves. Tout ça s'est développé. Donc l'intervention soi-disant humanitaire est une catastrophe pour le peuple libyen et toute la région. Donc on doit vraiment tirer les leçons de ça. On doit étudier, on a un devoir par rapport à ça, parce que ils sont en train d'essayer de recommencer euh, la, belle, la belle victoire en Libye contre le Venezuela. Il y a d'autres pays dans le collimateur. Donc, on doit tirer des leçons de ça et on doit se former. Vous avez remarqué aujourd'hui que j'ai cité toute une série de euh, livres d'investigation. Euh, et euh, je voudrais vous... Ici, vous avez sur le site euh, la présentation de livres. Je voudrais vous encourager à euh, vous procurer les livres que j'ai mentionnés, pas seulement pour vous former, mais aussi pour être capable, pour nous soutenir financièrement, c'est comme ça qu'on paye les jeunes journalistes, et pour être capable d'en parler autour de vous et de montrer les choses qui se passent à l'aide des livres. Et donc, euh, je voudrais vous donner un tuyau. Il y a plusieurs d'entre vous qui se sont plaints, beaucoup de lecteurs nous ont dit, vos frais de port sont beaucoup trop chers. C'est vrai. On n'avait pas trouvé le bon système pour expédier les livres. On a fait des efforts pour chercher des méthodes plus économiques. Euh, on sait que vous, la plupart d'entre vous euh, n'ont pas beaucoup de moyens et euh, un livre, c'est déjà un peu d'argent et donc s'il faut ajouter des frais de port importants, c'est un problème. alors je vais donner un tuyau pour l'instant sur le site. les frais de port sont encore un peu euh, sont ceux d'avant. mais ça va changer et la semaine prochaine ça change. donc si ça vous intéresse, vous, vous écrivez, vous commandez pas tout de suite, vous euh, écrivez à cette adresse commande commande@investiactions.net ou à mon secrétariat et on va vous envoyer les tarifs d'expédition dans quelques jours. Vous savez que nous, on a lancé une opération pour euh, engager euh, David euh, David de l'année comme éditeur et qui va s'occuper de nos expéditions aussi et j'ai le plaisir de vous annoncer que on y est arrivé. On a réussi à avoir assez d'argent pour lui offrir un contrat. Les informations vont venir là-dessus bientôt. Et donc, euh, voilà, je pense que ça fait partie euh, d'une démarche active par rapport à l'information. Dans Investigation Action, il y a Action et l'action, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez changer le rapport de force dans l'opinion, mener la bataille de l'information et expliquer autour de vous au travail, à l'école, dans les transports. Euh, sur Internet aussi, évidemment. Il n'y a que vous qui pouvez expliquer qu'on nous désinforme pour justifier des guerres qui sont des guerres criminelles, des guerres, des guerres pour voler les ressources naturelles, pour empêcher les peuples de décider eux-mêmes ce qu'ils vont faire de leurs ressources. Donc, je pense que cette démarche active de l'informe action, ça repose vraiment sur vous. Le Venezuela est sur la liste, mais il y a d'autres pays, l'Algérie dont on parlera dès que possible. Et je crois qu'avec, si vous vous formez, si vous avez les moyens de, de montrer aux gens qu'en fait c'est toujours la même guerre. Et on va conclure sur cette idée-là qui est très importante. Les médias essaient de nous expliquer qu'il y a un problème en Libye, c'est Kadhafi. En Irak, c'est Saddam. En Syrie, c'est Bachar. Au Venezuela, c'est Maduro. En Algérie, etc., etc. En réalité, le problème. Il y a des problèmes dans ces pays, personne ne va le nier, mais le problème, il n'est pas dans tel ou tel pays, le problème, il est à Washington, à Paris, à Bruxelles, siège de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est là qu'on décide les guerres, toujours pour les mêmes intérêts, toujours pour les mêmes multinationales et toujours avec le même type de mensonge qu'Investigation essaie de vous exposer. Et donc ça, c'est, je pense vraiment, si vous voulez défendre la paix. C'est la mission, c'est de défendre le droit à l'information, le droit véritablement à un débat entre les différents points de vue pour que les gens puissent se rendre compte qu'est-ce qui se cache derrière les guerres. Voilà. C'était un peu long aujourd'hui, il y avait pas mal de choses à expliquer. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont venues sur Facebook. Je vais y répondre dans quelques instants. L'émission sera bientôt sur Facebook également. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain sur le Vénézuélien.